Cette émission spéciale 7-8 sur TV Film 78 avec cette idée cadeau, je vous le disais, peut-être du Star Wars au pied de vos sapins cette année. Donc astrophysicien au CEA de Saclay, vous avez écrit « Faire des sciences avec Star Wars », première édition qui date de 2005, c'est disponible pour les collectionneurs, hein, ceux qui veulent la version papier. Elle n'est plus éditée maintenant. Et là maintenant, il y a à la version en ligne, version 2015, parce qu'elle a été mise à jour, un petit peu augmentée. Le site internet pour le télécharger cette édition va s'afficher sur votre écran. Pourquoi cette approche de Star Wars? Tout simplement. Eh bien, l'idée, c'est d'utiliser Star Wars, mais plus généralement les films de science-fiction, pour parler de science, pour faire des sciences, pour pratiquer les sciences. Alors on s'y attend pas trop, parce qu'on se dit Star Wars, c'est pas de la science, évidemment, c'est de la science-fiction. On pourrait même dire ça de façon presque péjorative. C'est souvent ce qu'on dit, c'est de la science-fiction, pour dire, bon, votre truc, c'est pas terrible. Évidemment, ce qu'il y a dans Star Wars n'est pas tout à fait juste du point de vue de la science, mais on peut analyser ce qu'on y voit, et essayer de comprendre ce qu'on y voit, et essayer de déterminer dans les films des informations qui ne sont pas données. Par exemple, quelle est la puissance du sabre laser? Vous avez une heure, je reviens. Et vous essayez. Que tout le monde aurait voulu avoir. Voilà, vous essayez de avec ça. Alors évidemment, ces questions-là sont un peu difficiles, posées comme ça. Et toute l'idée, c'est de voir comment on peut essayer de la rendre digeste, la question, et d'y répondre. Exemple de chapitre, l'étoile de la mort. Quelle est sa taille? Voilà, pareil. Alors la taille de l'étoile de la mort, je vous livre en exclusivité, c'est à peu près d'un petit astéroïde comme ceux du système solaire. L'astéroïde Vesta, par exemple, qui fait 450 km de diamètre. Voilà, ça, c'est l'étoile de la mort, typiquement. De quelle énergie a-t-elle besoin aussi? Ça aussi, beaucoup, cette question. Beaucoup de fois, beaucoup de centaines de milliers de fois le Soleil. Donc, dans un machin qui est tout petit, 450 km, il faut mettre, disons, 100 000 soleils. Et là, vous avez l'étoile de la mort. Vous comprenez qu'il y a tout de suite un problème de taille. Vous êtes fasciné par la saga? Oui, moi je l'ai vu, bah oui, avec mon âge, j'ai vu ça quand j'étais petit, donc évidemment, je suis un public captif, donc j'ai déjà vu Star Wars 7, évidemment. Et on ne va pas en parler sur ce plateau, une nouvelle fois, pas de spoil. Cette approche de Star Wars est assez novateur, inédit. Vous aviez déjà pensé à regarder cette saga comme ça, autour de la table? Non, pas du tout. Vous qui avez regardé tous les épisodes? Non, pas du tout, mais ça me fascine, hein, franchement. Je pense que j'irai télécharger votre document. Il est libre et gratuit, et puis ça permet à la fois d'apprendre des choses sur les sciences, et en même temps de les pratiquer, enfin de voir en tout cas, de se faire une idée de comment un cerveau scientifique s'en perd un problème mal posé. Les questions de science fondamentales, c'est ça, c'est quel est l'âge de l'univers? Et voilà, vous avez 100 ans. Ça fait à peu près 100 ans qu'on commence à pouvoir répondre scientifiquement à cette question, avec évidemment des hauts et des bas, des difficultés. Et c'est exactement la même dynamique, sauf que là, ça se fait en un quart d'heure ou en 10 minutes, parce que les questions sont à la fois plus simples et moins, comment dire, moins cohérentes. C'est pas la réalité qui est beaucoup plus subtile que ce qu'on voit dans Star Wars. Même la force, la fameuse force. Vous avez une approche scientifique pour la force? Oui, alors on peut évoquer ce que la force est. Sortez vos notes, calepin, on va prendre des notes. Mais en même temps, toutes les solutions que l'on peut proposer sont contradictoires entre elles, du point de vue de la science. Donc la force, ça reste assez mystérieux, évidemment. Ça veut dire qu'un jour, on peut imaginer, s'il y a des améliorations de la science, voir certaines choses qui sont dans les films, alors, dans la réalité? Ça, c'est une très bonne question. C'est-à-dire, quand on voit ces films, il y a des choses qui sont. Elles sont en fait, dans Star Wars, pour dire brutalement les choses, sont quasiment toutes impossibles. Mais elles ont des niveaux d'impossibilité qui ne sont pas les mêmes. Il pourrait y avoir une impossibilité radicale, ça veut dire quelque chose qui viole grossièrement les lois de la physique actuelle, par exemple aller plus vite que la lumière. Bon alors ça, c'est impossible, bon, point. Et après, il y a des choses qui ne sont pas impossibles en théorie, si j'ose dire, qui sont imaginables, pensables. La physique existe, ou la chimie, ou les mathématiques, ou la biologie existent pour penser ce qu'on voit. Mais c'est si difficile à faire ou si difficile à atteindre qu'en pratique, c'est impossible. Par exemple, réaliser un vaisseau interstellaire. Ça, on sait le penser, mais en faire, c'est pas facile. Les sabres laser, ça, c'est impossible. Et il y a quatre bonnes raisons qui, chacune, rend la chose rédhibitoire. Donc, les quatre à la fois, je peux vous dire. Mais les sabres laser, on peut après se poser une autre question que j'ai faite avec le sabre laser, qui est de se dire, quand même, on aimerait bien avoir un truc comme ça. Quoi. C'est pas juste. OK, ça marche pas comme on nous dit ou comme on le voit. Mais est-ce qu'on peut imaginer un engin qui ressemble au sabre laser, qui a les effets du sabre laser, on coupe des robots, on perce des portes, on fait des trucs, et qui ne soit pas non plus un sabre laser. Alors on peut éventuellement proposer des solutions qui sont toutes assez, disons, compliquées à mettre en œuvre, donc la possibilité devient pratique et non plus théorique. Lorsque vous faites des conférences, on imagine que ça doit être affiché complet tout de suite, tout le monde vient vous voir pour suivre ces conférences-là. Non, nous n'exagérons rien, je n'ai pas la célébrité. C'est une approche qui est vraiment atypique, parce que globalement, c'est, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est la science-fiction, votre approche. C'est d'utiliser la science-fiction. Sur différents films, pas uniquement Star Wars. Exactement, c'est prendre prétexte de la science-fiction, de ce qu'on voit en fait en général dans les films. Alors je prends plutôt les films de science-fiction parce que j'ai un goût pour la science-fiction depuis que je suis tout petit, et puis que ces films en général sont des blockbusters bien vus, tout bien connu, Star Wars, Avatar ou Interstellar ou Gravity, et donc les prendre comme prétexte, c'est pratique. Mais on pourrait parler de science-fiction littéraire, de bande dessinée. J'ai utilisé beaucoup la bande dessinée, même les jeux vidéo, hein, des jeux comme Mass Effect, par exemple, on peut dire des choses. Enfin voilà. J'ai l'impression donc, de regarder ça, un épisode de Big Bang Theory. Je ne sais pas si on a... Je reconnais bien volontiers que c'est un peu ça aussi. On est d'accord. Voilà. Si vous ne connaissez pas la série, allez-y, vous verrez, c'est la même chose. Comment s'est perçu vos travaux par vos collègues?
Alors, évidemment, ce n'est pas mon travail de recherche, hein, je le précise. Mais cela ne me paye pas quotidiennement pour faire ce genre de travail. Néanmoins, ça participe d'une chose qui m'est chère, c'est de la diffusion des connaissances scientifiques, soit par des conférences, des écritures d'ouvrages, ou par l'enseignement, tout simplement. Et donc, d'utiliser ces supports pour parler de science, c'est toujours d'abord bien vu des étudiants. Ils aiment ça, ça égaye les choses, ça rend la science aimable. Et à la fin, il faut rentrer... J'enseigne avec ça à Polytechnique aussi, donc il faut à mon heure rentrer dans les équations, si vous voulez, puis on peut en parler de manière beaucoup plus générale pour le grand public. Et les collègues, dans la mesure où c'est fait, sérieusement, où c'est fait pour la science et non pas pour le gadget, alors ils sont tout à fait favorables aussi à ce genre d'approche. Rendez-vous sur le site internet belial.fr pour télécharger cet ouvrage sur Star Wars et puis aussi consulter vos différentes publications sur la question. Absolument. Puisque vous collaborez avec la revue Bifrost. Absolument, c'est une revue de science-fiction qui publie des nouvelles de science-fiction, des textes donc, et puis aussi des essais, des textes de recherche, d'essais sur la science-fiction. Je vous propose de rester... Et il y aura une suite, peut-être, sur les nouveaux épisodes. Ah ben bien sûr, maintenant, bon, Star Wars 7, j'ose pas le faire tout de suite, là, l'ayant vu, j'ai déjà plusieurs choses à dire, mais je pense que ça va en agacer quelques-uns autour de la table si je dis tout de suite, donc vous avez bien perçu la situation. Il y a déjà des choses à dire sur Star Wars 7. Qui vous voulez parler ?